Tes rêves, je les connais. Danser et courir sur le sable. Mais la vie n'est pas un rêve. Elle peut vite devenir un cauchemar. Ah, je te le dis, ça va faire des vagues. Ils vont m'entendre. Hé ! Voyons, qui êtes-vous, jeune homme ? Un défenseur des arts et des opprimés ? Et pourquoi pas ? La briser. Est-ce donc vraiment ce que vous voulez ? Elle est une œuvre d'art. Et l'art est libre par nature. On ne peut pas avoir une tente pour entreposer mes outils. Un réfrigérateur pour me rafraîchir. Un endroit pour me reposer. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. L'art de nos jours n'est plus qu'une étiquette. On la colle sur n'importe quoi. Avec pour titre, le Mollah Omar et ses talibans. Le Mollah Omar et ses talibans? Oui, c'est ainsi qu'il surnomme le maire et le conseil municipal. Vous vous rendez compte? Décidément, vous, les fesses plates, vous êtes bornés au possible. Il vient faire de gros efforts physiques, il est sûrement très fatigué. Je ne suis pas fatigué. Attendez, il remonte à la surface. Comment vous sentez-vous? Mais comment, ma beauté, peux-tu savoir mon rêve? Ne te souviens-tu pas? En courant sur la grève au bord du cauchemar, nous nous sommes croisés.